de ce bocage, c'est que depuis plusieurs mois, on alerte le gouvernement sur la situation de l'agriculture qui fait face à plusieurs crises, que ce soit sanitaire avec la MHE, la maladie hémorragique et épizootique sur les élevages, climatique avec les sécheresses qui se succèdent, et aussi des crises économiques et géopolitiques et auxquelles l'État jusqu'à maintenant a fait la sourde oreille et ne nous a jamais proposé des solutions qui nous permettraient de nous aider. On a commencé avec l'action de retourner les panneaux fin novembre, on marche sur la tête, donc ça c'était, on va dire, assez simple. Et ensuite, mes collègues de la LES qui arrivent. Ensuite, on a monté d'un ton juste avant les fêtes, et puis à partir de la semaine dernière, on est allé à Toulouse, Pamiers, hier Tarascon, et aujourd'hui on revient sur Toulouse. On est prêt à ce que le mouvement dure, et tant qu'on n'aura pas de réponse, là on va passer la nuit sur la Nationale 20 et plus si besoin.